Salut! Donc aujourd'hui, je fais une vidéo pour essayer de refaire cette jupe transparente. Et donc j'ai acheté du tissu à la foire au tissu, du tissu transparent. Et donc j'ai adoré ce tissu. On n'aurait pas trouvé le même motif ni quoi que ce soit en vert comme ça, même si j'ai beau chercher. Donc on a deux façons de faire la jupe. Moi, je l'ai fait de la façon la plus simple, elle est un peu plissée, elle n'est pas vraiment en forme courroie comme sur la photo. J'adore cette jupe. Elle est magnifique et tout. Elle est facile à faire. On peut mettre une tirette, on peut mettre avec un élastique une tirette, c'est plus joli. Et donc voilà. Et donc j'avais pas le gilet de couleur moutarde brun comme ça. Donc je recommande de mettre un jupon en dessous. Parce qu'elle est transparente. Donc sortir dans la rue avec ça, c'est bien, mais bof, quoi, pour éviter d'avoir des petits soucis. Ce qui m'est arrivé un jour de sortir avec une jupe transparente. Voilà. Bon, ben voilà, ben salut!